Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, bonsoir. Bon. Les amis, on va coder un petit peu, tranquillou. On a une heure avant l'annonce. Heure, hein, plus que 59 minutes déjà, le temps passe vite. Avant l'annonce du plus gros projet de ma chaîne à ce jour, j'espère, pas le plus gros à tout jamais. Donc voilà, on va coder tranquillement. On va coder tranquillement. Mettre un tout petit peu plus fort la musique. Ouais, non, comme ça, c'est bien. Ouais, c'est comme ça. Alors. Navigateur, il est là. Bon, on reste sur les fondamentaux. On a un niveau 8, là, qui se propose à nous. Alors, dans mon cas, par contre, la musique, je peux vous dire qu'elle envoie. Alors, Timmy and Sarah think they are in love. Oh, c'est mignon. But around where they live, they will only know once they pick a flower each. Ah bon? C'est comme ça qu'on sait si l'autre nous aime. Il faut le dire au monde. If one of the flowers has an even number of petals and the other has an odd number of petals, it means they are in love. Ah putain, je l'ai fait ça, mais je me souviens plus comment on fait. Write a function that will take a number of petals of each flower and return true if they are in love and false if they aren't. Alors. A moment of truth. Donc flower 1 et flower 2, ce sont des nombres. C'est comme ça, c'est divisé par 2. Il faut que ça soit égal. Alors. Return, hein, bien évidemment. Coucou, Annabule. Ça va, Annabule? Write a function that will take the number of petals of each flower and return true if they are in love. Alors attends, il faut... If one of the flowers has an even number of petals and the other has an odd number of petals, it means... Ok, donc faut que ça soit différent. Bah on va faire true. La forme à la bulle. Sinon false. Et là... Non, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Ouais, ça va. Non, j'ai pas besoin de return ça, je peux le faire comme ça. Faire comme ça, je crois. Et là, c'est l'inverse, c'est false. C'est comme ça. Ah ouais. Bah tu tombes mal, je suis en train de coder. Toi tu serais plutôt là pour du jeu. Hâte de l'annonce. Je pensais que t'allais venir à 20h.
Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Attends. Je vais plutôt faire ça avec des... Avec des if. On peut faire ça. On peut faire ça? Je suis pas sûr. Tu joues après l'annonce? Je sais pas, on verra. On verra. Peut-être. Hein. Pas trop ce que je suis en train de faire, c'est un peu bizarre. Je crois que je vais la passer, celle-là, elle me pose problème en vrai. Merde. Sinon on peut faire else. Flower 2 égale false. Pas trop ce que je fais là. Merde. Alors, une erreur de syntaxe. Non, en fait, je pense qu'on peut pas faire ça. On va faire comme ça. Let number 2 égale 0. Ça c'est number 1. Ah mais en plus je m'étais trompé, c'était le 2 là. Égale 1. Ah non, on peut laisser comme ça. Ça marche ça? Hein? Ah merde, il manque ça. Là c'est bon. Expecting false to equal true. Là. Est-ce que je fais mal là?
si ça c'est pair. Ça donne true. Sinon, ce que je vais faire, c'est... Ok, c'est comme ça qu'on va faire. Donc ici, false. Et là, true. Donc là, j'ai mis exactement la même chose pour la fleur 1 et la fleur 2. Donc si c'est pair... Bon, on va faire ça comme ça. Alors ça, c'est pas normal. C'est pas normal que ça marche sur les tests. Parce que là, j'ai dit... Là, je dis... Est-ce que le nombre de pétales de fleur 1 est pair? Et si oui, alors vrai. Et sinon, c'est faux. Et là, j'ai fait pareil. Sauf que si oui, c'est faux. Et si c'est... Sauf si, et si c'est impair, j'ai mis vrai. C'est-à-dire qu'il y a un cas où, si l'un est égal à l'autre, mais que les deux sont faux, ça devrait return false. Pourtant, là, il l'accepte. Mais si je fais l'attempt, putain, ça marche. Il y a une erreur. Hein. Il y a une erreur quelque part. Ou alors il y a un truc qui m'échappe dans le code que je connais pas. Aucune idée. Bon écoutez, ça marche, on va pas se plaindre. Hein. Ah mais oui, on peut utiliser l'opérateur différent, évidemment. Ah, c'est vrai que ce genre d'opérateur, ça renvoie à true ou à false de base. Il faut en effet que ce soit différent. Ok, bon, bah écoutez. On passe au suivant. Niveau 7. Create a function that returns the sum of two lowest positive numbers given an array of minimum four positive integers. No floats or non-positive integers will be passed. For example. Ok, donc il y aura pas de nombre négatif et floats, je crois que c'est les décimales, ni de nombre décimal. Donc on n'a pas à se soucier de ça. Salut Silver, la forme. C'est longtemps que je t'ai pas vu Silver ici. Je t'ai vu sur le Discord, ça oui, mais... Qu'est-ce que tu racontes? Alors... Returns... Ah non, c'est math.min numbers. Ah oui, non, faut faire la somme. Faire la somme, ok. Donc ce qu'on peut faire... C'est trier numbers. C'est comme ça qu'on l'écrit, je sais plus. Ça va bien, merci. Ouais.
moins le temps ces derniers temps. Oh bah t'inquiète hein. Je disais pas ça pour t'emmerder. Hein. Juste que je suis content de te voir. Alors je sais plus ce que c'est la syntaxe pour sort, donc on va regarder. Et la méthode je l'ai, hein, vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de tricher. Ouais, c'est comme ça. Donc ça... Ce qu'on peut faire, c'est... let sum equal 0. Égal... plus... numbers... à l'index 1. Voyons voir. A is not defined. Ah, faut faire. En fait, c'est A, B. C'est quoi ce logiciel? Alors c'est pas un logiciel, c'est un... Enfin si, c'est un logiciel dans l'absolu, mais... Mais c'est... comment dirais-je? Un site pour s'entraîner sur tous les langages de code que tu veux. Et moi en ce moment je m'entraîne sur JavaScript. Donc voilà. Tu nous fais le nouveau Mass Effect? Comment ça? Tu crois que c'est ça l'annonce? Tu crois que je vais faire Mass Effect? Mais non, mais j'ai pas besoin de me faire chier. De base, c'est par ordre croissant. Pas 31. Il m'a fait quoi pour obtenir 31? Là, c'est 5 plus 8. Ce qui fait 13, en effet. Ah, mais non, parce que, en fait, il met... Il met la première valeur du chiffre, d'abord. Genre là, comme c'est un 1, il va le mettre avant le 5. Donc là, il a fait 12 plus 19, ce qui fait 31. Donc il faut bien préciser un truc. N'importe quoi ce truc. Ah, c'est plutôt cool ce genre de site, c'est même génial, c'est vraiment 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 bien. Merde, je sais plus comment on fait pour vraiment bien les mettre par ordre croissant. Ah, je crois que c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Nice.
Et tu vois, donc tu peux tester ton morceau de code par rapport aux instructions que tu as là. Donc il injecte après des valeurs dans ton code pour savoir si en effet ton code donne la solution à la problématique posée. Et après tu peux le soumettre. Ça fait passer plus de tests. Une fois que tu as soumis, ils te disent vous pouvez relire votre code, l'améliorer si vous le souhaitez. Et une fois que tu as fait ça, bah tu submites. Donc là, tu soumets vraiment le truc. Et on te donne les solutions des autres. Donc bah ça, c'est ce que j'ai fait. Ouais, j'ai exactement la même chose. Parce que moi, j'ai mis une variable en plus. Donc en gros, j'avais la bonne méthode. Après, tu passes au next kata. Ils appellent ça des kata. Ouh, un 6. Un 6, là, je me sens pas chaud. J'ai codé toute la journée, je vais attendre un peu. Il n'y a pas forcément qu'une solution aussi. Non, non, il y en a plein. Plein de façons de faire. En fait, l'intérêt de voir les solutions des autres, c'est justement de déterminer qui a eu la solution avec les best practices. Donc celui qui a la meilleure méthode pour obtenir le résultat qu'on recherche. Ou pourquoi pas, des fois... en fait, tu as le choix de cocher best practice ou clever. Donc si quelqu'un n'a pas forcément eu la best practice, etc., mais qu'il a trouvé un peu une façon unique de faire, je veux dire, putain, c'est méga intelligent. Par contre, on ne l'utilisera jamais parce que c'est illisible comme code. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais ça permet aussi bah, de te faire mouliner un peu la cervelle, etc., quoi. Bon, là, c'est un 7, on va le faire. Alors, il y a un bus qui bouge dans la ville. Il prend et fait descendre des gens à chaque bus stop. Bon, on l'a déjà eu celui-là. Donc on nous donne un tableau de nombres pairs entiers. Ah non, excusez-moi. En fait, c'est des tableaux nestés, c'est-à-dire que vous avez un tableau qui représente un premier cadre et plusieurs tableaux dedans. Ce qu'on appelle du nested array. Wait. Et donc chaque paire représente un nombre de personnes qui rentrent dans le bus et le nombre de personnes qui descendent du bus. Donc non, on l'avait pas eu. Notre tâche est de trouver le nombre de personnes qui sont toujours dans le bus après le dernier arrêt. Même si c'est le dernier arrêt, le bus n'est pas vide et certaines personnes sont toujours dans le bus. Ils doivent probablement dormir. Ouais, ok. Les nombres qu'on nous donne seront supérieurs à 0, donc on n'a pas à se faire chier avec ça. The second value in the first integer array is 0 since the bus is empty in the first bus stop. Alors pour aller dans des tableaux nestés, il faut que je relise un peu mon pense-bête. Ouais, c'est tout con. Tout con à faire. Ok. Bon, ce qui va être chiant, c'est que on ne sait pas quelle est la taille du premier tableau. Donc il faut composer avec ça. Donc on va faire for... Donc là, je crée une boucle qui va parcourir le premier tableau à mesure qu'il recherche des valeurs.
Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, bonsoir. Bon. Les amis, on va coder un petit peu, tranquillou. On a une heure avant l'annonce. Heure, hein, plus que 59 minutes déjà, le temps passe vite. Avant l'annonce du plus gros projet de ma chaîne à ce jour, j'espère, pas le plus gros à tout jamais. Donc voilà, on va coder tranquillement. On va coder tranquillement. Peut-être un tout petit peu plus fort la musique. Ouais, non, comme ça c'est bien. Ouais, c'est comme ça. Alors. Navigateur, il est là. Bon, on reste sur les fondamentaux. On a un niveau 8 là qui se propose à nous. Pardon, on casse par contre la musique, je peux vous dire qu'elle envoie. Alors, Timmy and Sarah think they are in love. Oh, c'est mignon. But around where they live, they will only know once they pick a flower each. Ah bon? C'est comme ça qu'on sait si l'autre nous aime. Il faut le dire au monde. If one of the flowers has an even number of petals and the other has an odd number of petals, it means they are in love. Ah putain, je l'ai fait ça, mais je me souviens plus comment on fait. Write a function that will take a number of petals of each flower and return true if they are in love and false if they aren't. Alors. A moment of truth. Donc flower 1 et flower 2, ce sont des nombres. Alors c'est comme ça, c'est divisé par 2. Faut que ça soit égal. Alors. Return, hein, bien évidemment. Coucou Anabule. Ça va Anabule? Write a function that will take the number of petals of each flower and return true if they are in love. Alors attends, il faut... If one of the flowers has an even number of petals and the other has an odd number of petals, it means... Ok, donc faut que ça soit différent. Bah on va faire true. La forme à la bulle. Sinon false. Et là... Non, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Ouais, ça va. Non, j'ai pas besoin de return ça, je peux le faire comme ça. Je peux le faire comme ça, je crois. Et là, c'est l'inverse, c'est false. C'est comme ça. Ah ouais. Bah tu tombes mal, je suis en train de coder. Toi tu serais plutôt là pour du jeu. Hâte de l'annonce. Je pensais que t'allais venir à 20h.
Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Attends. Je vais plutôt faire ça avec des... Avec des if. On peut faire ça. On peut faire ça? Je suis pas sûr. Après l'annonce, je sais pas, on verra. On verra. Peut-être. Hein. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire, c'est un peu bizarre. Je crois que je vais la passer celle-là, elle me pose problème en vrai. Merde. Return true. Ouais, on va faire ça comme ça. Je me demande si ça marche. Sinon, on peut faire else. Flower. 2 égale false. Pas trop ce que je fais là. Merde. Alors, une erreur de syntaxe. Non, en fait, je pense qu'on peut pas faire ça. Ça. Let number 2 égale 0. Ça c'est number 1. Ah mais en plus je m'étais trompé, c'était le 2 là. Égale 1. Ah non, on peut laisser comme ça. Ça marche ça? Hein? Ah merde, il manque ça. Là c'est bon. Expecting false to equal true. Peut-être trop là.
Est-ce que je fais mal là? Si ça c'est pair. Ça donne trou. Sinon ce que je vais faire c'est... Ok, c'est comme ça qu'on va faire. Donc ici false. Et là... Donc là, j'ai mis exactement la même chose pour la fleur 1 et la fleur 2. Donc si c'est pair, bon, on va faire ça comme ça. Alors ça c'est pas normal. C'est pas normal que ça marche sur les tests. Parce que là j'ai dit... Là je dis... Est-ce que le nombre de pétales de fleur 1 est pair? Et si oui, alors vrai. Et sinon c'est faux. Et là j'ai fait pareil. Sauf que si oui, c'est faux. Et si c'est... Sauf si, et si c'est impair, j'ai mis vrai. C'est-à-dire qu'il y a un cas où si l'un est égal à l'autre, mais que les deux sont faux, ça devrait return false. Pourtant, là, il l'accepte. Mais si je fais la... Para desenvolver determinados projetos. E meio que isso some um pouquinho com o Scrum. Porque você tem ali meio.
Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, bonsoir. Bon. Les amis, on va coder un petit peu, tranquillou. On a une heure avant l'annonce. Heure, hein, plus que 59 minutes déjà, le temps passe vite. Avant l'annonce du plus gros projet de ma chaîne à ce jour, j'espère, pas le plus gros à tout jamais. Donc voilà, on va coder tranquillement. On va coder tranquillement. Mettre un tout petit peu plus fort la musique. Ouais, non, comme ça, c'est bien. Ouais, c'est comme ça. Alors. Navigateur, il est là. Bon, on reste sur les fondamentaux. On a un niveau 8, là, qui se propose à nous. Alors, dans mon casque, par contre, la musique, je peux vous dire qu'elle envoie. Alors, Timmy and Sarah think they are in love. Oh, c'est mignon. But around where they live, they will only know once they pick a flower each. Ah bon? C'est comme ça qu'on sait si l'autre nous aime. Il faut le dire au monde. If one of the flowers has an even number of petals and the other has an odd number of petals, it means they are in love. Ah putain, je l'ai fait ça, mais je me souviens plus comment on fait. Write a function that will take a number of petals of each flower and return true if they are in love and false if they aren't. Alors. A moment of truth. Donc flower 1 et flower 2, ce sont des nombres. C'est comme ça, c'est divisé par 2. Faut que ça soit égal. Alors. Return, hein, bien évidemment. Coucou Anabule. Ça va Anabule? Write a function that will take the number of petals of each flower and return true if they are in love. Alors attends, il faut... If one of the flowers has an even number of petals and the other has an odd number of petals, it means... Ok, donc faut que ça soit différent. Bah on va faire true. La forme à la bulle. Sinon false. Et là... Non, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Ouais, ça va. Non, j'ai pas besoin de return ça, je peux le faire comme ça. Je peux le faire comme ça, je crois. Et là, c'est l'inverse, c'est false. C'est comme ça. Ah ouais. Bah tu tombes mal, je suis en train de coder. Toi tu serais plutôt là pour du jeu. Hâte de l'annonce. Je pensais que t'allais venir à 20h.
Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Attends. Je vais plutôt faire ça avec des... Avec des if. On peut faire ça. On peut faire ça? Je suis pas sûr. Tu joues après l'annonce? Je sais pas, on verra. Peut-être. Hein. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire, c'est un peu bizarre. Je crois que je vais la passer celle-là, elle me pose problème en vrai. Merde. Return true. Ouais, on va faire ça comme ça. Je me demande si ça marche. Sinon, on peut faire else. Flower. 2 égale false. Pas trop ce que je fais là. Merde. Alors, une erreur de syntaxe. Non, en fait, je pense qu'on peut pas faire ça. Ça. Let number 2 égale 0. Ça c'est number 1. Ah mais en plus je m'étais trompé, c'était le 2 là. Égale 1. Ah non, on peut laisser comme ça. Ça marche ça? Hein? Ah merde, il manque ça. Là, c'est bon. Expecting false to equal true. Peut-être trop là.
Est-ce que je fais mal là? Si ça c'est pair. Ça donne trou. Sinon ce que je vais faire c'est... Ok, c'est comme ça qu'on va faire. Donc ici false. Et là... Donc là, j'ai mis exactement la même chose pour la fleur 1 et la fleur 2. Donc si c'est pair, bon, on va faire ça comme ça. Alors ça c'est pas normal. C'est pas normal que ça marche sur les tests. Parce que là j'ai dit... Là je dis... Est-ce que le nombre de pétales de fleur 1 est pair? Et si oui, alors vrai. Et sinon c'est faux. Et là j'ai fait pareil. Sauf que si oui, c'est faux. Et si c'est... Sauf si, et si c'est impair, j'ai mis vrai. C'est dire qu'il y a un cas où, si l'un est égal à l'autre, mais que les deux sont faux, ça devrait return false. Pourtant, là, il l'accepte. Mais si je fais l'attempt, putain, ça marche. Il y a une erreur. Hein. Il y a une erreur quelque part. Ou alors il y a un truc qui m'échappe dans le code que je connais pas. Aucune idée. Bon écoutez, ça marche, on va pas se plaindre. Hein. Ah mais oui, on peut utiliser l'opérateur différent, évidemment. Ah, c'est vrai que ce genre d'opérateur, ça renvoie à true ou à false de base. Il faut en effet que ce soit différent. Ok, bon, bah écoutez. On passe au suivant. Niveau 7. Create a function that returns the sum of two lowest positive numbers given an array of minimum four positive integers. No floats or non-positive integers will be passed. For example. Ok, donc il y aura pas de nombre négatif et floats, je crois que c'est les décimales. Ni de nombre décimal, donc on n'a pas à se soucier de ça. Salut Silver, la forme. C'est longtemps que je t'ai pas vu Silver ici. Je t'ai vu sur le Discord, ça oui, mais... Qu'est-ce que tu racontes? Alors... Returns. Ah non. C'est math. Point min. Numbers.
Ah oui, non, faut faire la somme. Faire la somme, ok. Donc ce qu'on peut faire, c'est trier numbers. C'est comme ça qu'on l'écrit, je sais plus. Bah bien, merci. Ouais. Moi le temps ces derniers temps. Oh bah t'inquiète hein. Je disais pas ça pour t'emmerder. Hein. Juste que je suis content de te voir. Alors je sais plus ce que c'est la syntaxe pour sorte, donc on va regarder. Et la méthode je l'ai, hein, vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de tricher. Ouais, c'est comme ça. Donc ça. On peut faire c'est let sum equal 0. Égal. Plus numbers à l'index 1. Voyons voir. Non, mais il faut peut-être return aussi, abruti. A is not defined. Ah, faut faire. En fait, c'est A, B. C'est quoi ce logiciel? Alors c'est pas un logiciel, c'est un... Enfin si, c'est un logiciel dans l'absolu, mais... Mais c'est... comment dirais-je? Un site pour s'entraîner sur tous les langages de code que tu veux. Et moi en ce moment je m'entraîne sur JavaScript. Donc voilà. Tu nous fais le nouveau Mass Effect? Comment ça? Je crois que c'est ça l'annonce? Je crois que je vais faire Mass Effect? Ah mais non, mais j'ai pas besoin de me faire chier. De base, c'est par ordre croissant. Pourquoi 31? M'a fait quoi pour obtenir 31? Là, c'est 5 plus 8, ce qui fait 13, en effet. Ah mais non, parce que, en fait, il met... Il met la première valeur du chiffre d'abord. Genre là, comme c'est un 1, il va le mettre avant le 5. Donc là, il a fait 12 plus 19, ce qui fait 31. Donc il faut bien préciser un truc. N'importe quoi ce truc. Ah, c'est plutôt cool ce genre de site, c'est même génial, c'est vraiment 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 bien. Merde, je sais plus comment on fait pour vraiment bien les mettre par ordre croissant. Ah, je crois que c'est comme ça.
Hop. Ouais, c'est ça. Nice. Et tu vois, donc tu peux tester ton morceau de code par rapport aux instructions que tu as là. Donc il injecte après des valeurs dans ton code pour savoir si en effet ton code donne la solution à la problématique posée. Et après tu peux le soumettre. Ça fait passer plus de tests. Une fois que tu as soumis, ils te disent vous pouvez relire votre code, l'améliorer si vous le souhaitez. Et une fois que tu as fait ça, bah tu submites. Donc là tu soumets vraiment le truc et on te donne les solutions des autres. Donc bah ça c'est ce que j'ai fait. Ouais, j'ai exactement la même chose. Que moi j'ai mis une variable en plus. Donc en gros j'avais la bonne méthode. Et après tu passes au next kata. Ils appellent ça des kata. Ouh, un 6. Un 6, là, je me sens pas chaud. J'ai codé toute la journée, je vais attendre un peu. Il n'y a pas forcément qu'une solution aussi. Non, il y en a plein. Plein de façons de faire. En fait, l'intérêt de voir les solutions des autres, c'est justement de déterminer qui a eu la solution avec les best practices. Donc celui qui a la meilleure méthode pour obtenir le résultat qu'on recherche. Ou pourquoi pas, des fois... En fait, tu as le choix de cocher best practice ou clever. Donc si quelqu'un n'a pas forcément eu la best practice, etc., mais qu'il a trouvé un peu une façon unique de faire, je peux dire, putain, c'est méga intelligent. Par contre, on l'utilisera jamais parce que c'est illisible comme code, tu vois. C'est des trucs comme ça. Mais ça permet aussi bah, de te faire mouliner un peu la cervelle, etc. quoi. Bon, là, c'est un 7, on va le faire. Alors, il y a un bus qui bouge dans la ville. Il prend et fait descendre des gens à chaque bus stop. Bon, on l'a déjà eu celui-là. Donc on nous donne un tableau de nombres pairs entiers. Ah non. Excusez-moi. En fait, c'est des tableaux nestés, c'est-à-dire que vous avez un tableau qui représente un premier cadre et plusieurs tableaux dedans. Ce qu'on appelle du nested array. Et donc chaque paire représente un nombre de personnes qui rentrent dans le bus et le nombre de personnes qui descendent du bus. Donc non, on l'avait pas eu. Notre tâche est de trouver le nombre de personnes qui sont toujours dans le bus après le dernier arrêt. Même si c'est le dernier arrêt, le bus n'est pas vide. Et certaines personnes sont toujours dans le bus. Ils doivent probablement dormir. Ouais, ok. Les nombres qu'on nous donne seront supérieurs à 0, donc on n'a pas à se faire chier avec ça. The second value in the first integer array is 0 since the bus is empty in the first bus stop. Alors, pour aller dans des tableaux nestés, il faut que je relise un peu mon pense-bête. Ouais, c'est tout con. Tout con à faire. Ok. Bon, ce qui va être chiant, c'est que on ne sait pas quelle est la taille du premier tableau. Donc il faut composer avec ça. Donc on va faire for
Donc là, je crée une boucle qui va parcourir le premier tableau à mesure qu'il recherche des valeurs. I inférieur à donc bustab c'est le nom du tableau point length et point length c'est donc sa longueur et donc on incrémente i, c'est à dire que tant que cette valeur là est inférieure à la taille du tableau, on ajoute 1 à i. On va créer une variable. Au début, ils sont 0. Merde. Donc on va ajouter la première valeur. Hop, c'est comme ça qu'on va faire. Et on va retirer la deuxième valeur. Et à la sortie, on return people on bus. Et ça, normalement, c'est censé marcher. On va essayer. Tiens, j'ai eu moins 8. Donc c'est sur le premier test. Donc là j'ai dit, tu fais plus 10, moins 0, donc il y en a 10. Plus 3, 13, moins 5, 8. Plus 5, 13, moins 8. Ouais, 5. C'est quoi le problème? Pourquoi j'ai obtenu moins 8? Étrange. C'est bizarre. C'est étrangement bizarre. Ça peut expliquer, j'évite rien. Peut-être que j'explique mal. Non, mais il faut connaître JavaScript. Et JavaScript, c'est un langage extrêmement compliqué. C'est l'inconvénient de JavaScript. Mais l'avantage, c'est que c'est extrêmement puissant. Tu peux vraiment faire des trucs de malade avec JavaScript. Bah, en réalité, tu peux faire des trucs de malade avec un petit peu tout. Ce sera juste plus ou moins performant. Alors là, je vois pas le problème. Cotage et script, ce n'est pas pour moi. Il est donné moins 8. Je vais essayer de trouver où est-ce qu'il me fait le moins 8 là. (10, -0, 10, +3, 13, -5, 8, +5, 13, -8, 5). S'il a fait 10 plus 0, ça donne 10. +3, 13. Non mais vu que j'ai une valeur négative, il a trop fait des soustractions. 10, -3, 8, -5, 3, -5, 2, -8,
10, moins 10. Ça fait pas moins 8. Donc il y a quand même un truc qui fonctionne. Est-ce qu'il faut que ça soit supérieur, inférieur ou égal? Calculate properties 0 of undefined. Sinon on va faire ça. Hein. Merde. Merde. Non, ça va pas marcher parce que... Par contre, si je fais ça... Ah, voilà, ça marche. Alors là, ça marche. En gros, ce que je lui dis, c'est... Tu reprends la valeur de base du nombre de personnes et t'ajoutes la soustraction entre ceux qui montent et ceux qui descendent. Et tu fais ça pour chaque carré. Donc là, ça marche. Mais la façon dont je l'ai écrit avant, ça marchait pas. Bon, moi, ça me va. Hein. C'est bien aussi. Ça me met. Alors, const number, busstop.reduce. Oh là 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 là. Bah, tu vois, là, par exemple, les gens trouvent que c'est une solution intelligente. Par contre, quand tu reviens sur ton code 6 mois plus tard et que t'as oublié le pourquoi du comment de ce que t'as fait et que tu lis ça, tu dois être là en mode... Alors la méthode reduce, je sais pas ce que c'est. Enfin si, je connais, mais j'ai oublié. Ah oui, on l'avait vu également sur le kata avec l'autre bus. C'est ce qu'ils appellent un incur. Attendez, je vous le montre. Je vous le montre, je vous dis. Et qui traite chaque valeur d'une liste, de la gauche vers la droite, afin de la réduire à une seule valeur. Donc en fait, tous les calculs que j'ai faits, ils sont compris dans ce simple bout de code. Après, rem, on, off, machin, fonction fléchée, rem plus on, moins off. Alors rem, c'est le résultat en fait. Ça c'est pour dire, ça c'est ceux qui rentrent, ça c'est que ceux qui sortent. Et donc le résultat est égal à plus ceux qui rentrent et moins ceux qui sortent. Et sinon on retourne 0. Ça c'est méga clever. Ouais. Mais bon, je préfère... vous voyez, lui il a fait exactement ce que j'avais fait à la base. I égale 0, I inférieur à machin. Plus plus, il a fait plus égal moins égal. Ah, c'est peut-être parce que j'avais fait égal moins, non? Je m'étais trompé dans la syntaxe. Je sais pas. Ah, ça c'est trop chiant. Bon, si nouveau 8, on va le faire. Plus que 24 minutes, les amis. Après, ça sera pas à 20h pile, je regarderai s'il y a d'autres gens qui arrivent.
Donc toutes les lettres minuscules deviennent des majuscules, et toutes les lettres majuscules deviennent des lettres minuscules. Par exemple, Hello World écrit comme ça, c'est en majuscule. Comment on fait ça? Musique de FF, non, pas du tout. Musique de Pokémon. Ce sera pas bon ça. Oh, je crois que je vais le passer. Donc ouais, la musique précédente, c'est la musique du film Pokémon 2, Le pouvoir est en toi. La musique de Lugia. C'est galère de ouf. Et ça, c'est que niveau 8? Alors, faut split déjà. Donc là, on sépare les lettres, chacune des lettres. Ensuite, on parcourt tout ça. Donc la lettre. Si la lettre est une majuscule, donc tout uppercase. Ah, Bruni, c'est déjà à moi? Bah dis donc. Merci beaucoup Bruni pour le renouvellement de ton sub. Ça me touche. Écoute la forme, hâte qu'il soit 20h. J'espère que ce que j'ai concocté va vous plaire. Donc voilà, si c'est une majuscule, ça veut dire ça, si c'est une majuscule. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait si c'est une majuscule? Eh bien, on fait... On la transforme. Merde. En minuscule, j'ai dit. Donc c'est lower. Et sinon... On en fait... Mais putain, pourquoi j'ai réécrit lowercase ?
on en fait une majuscule. Donc on se pose la question si la lettre est une majuscule, si ça en est une, ça la met en minuscule. Et si ça n'en est pas une, c'est dire qu'elle est minuscule, et donc on la passe en, en majuscule. Et ensuite, on joint le tout, parce qu'on la split dès le début. Et on teste. Il me manque une... Ah, c'est ici. Il me manquait une parenthèse. J'espère que je vais pouvoir voir l'annonce, ça va être quand je mange. Et avec la coup de merde qu'on a, c'est pas gagné. Bah écoute, on verra bien. Bon, de toute façon, ça sera annoncé sur Twitter, etc. Tu auras les informations, ne t'inquiète pas. Oh, ça marche cette connerie, hein. Et t'as la forme, sinon ? Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, donc... Raconte-moi un peu ta life. Ok, ça marche avec tout. Et ben c'est la méthode, c'est la best practice apparemment. Il y a quelqu'un qui a fait la même chose mais en beaucoup plus grand. Il a créé une nouvelle chaîne de caractères. Il a parcouru le nombre de lettres de la chaîne de caractère initiale. Ça va, le taf est un peu relou parce que j'ai pas les outils pour bosser correctement. Tu travailles dans l'éducation nationale ? Pardon. Pardon, pas pardon. Non, non, mais je sais que t'es pas à l'éducation nationale, mais la blague était trop tentante. Et donc il parcourt chaque lettre comme ça, la lettre en question, si elle est majuscule, on l'ajoute à la nouvelle chaîne de caractères en la transformant en minuscule, et sinon c'est qu'elle est minuscule, donc on l'ajoute à la chaîne de caractères en étant une majuscule.